Nous participons aux événements Fête des fourchettes solidaires afin d'attirer l'attention des citoyens à l'alimentation locale en passant par l'anti-gaspillage alimentaire. De participer à cet événement-là, ça nous permet de créer un réseau des possibles afin d'accéder à l'alimentation saine et durable pour tous avec le circuit court, avec la récupération des invendus et avec les cuisines de rue. Alors, peut-être avec un peu plus d'eau, peut-être, non ? Que ça soit plus fluide. Et dans l'alimentation, ce qui est merveilleux, c'est que ce qui est un peu inattendu va faire la saveur du repas. Et c'est ça que nous vivons au domaine de Maître Gouni, et c'est ça que j'aime dans ce programme sur l'alimentation territoriale, comment permettre à chacun, notamment des personnes qui sont un peu exclues de la vie sociale de par leur fragilité ou leur handicap, comment leur permettre de manger sain, de manger d'une manière qualitative et de savoir cuisiner à partir d'éléments qu'on aurait peut-être mis de côté. Oui, sur le pot, voilà. Oui, oui, c'est le fond que tu as chez toi, que tu mets sur ta table à passer, et à ce moment-là, voilà, et en faisant et ça. Je trouve que le programme alimentaire territorial nous permet de retrouver cette simplicité et cet émerveillement de l'alimentation qui est fondamental parce que c'est au cœur du repas que se noue le lien social, que se noue la vie. Préparer un bon repas, c'est important. Et on peut le faire avec des choses simples. Je trouve que la force de ce projet, c'est de nous relier les différentes structures qui sont sur ces questions d'alimentation. Nous sommes fiers de participer au développement d'une société plus raisonnée et d'insuffler nos valeurs pour tous nos citoyens concernés. Et n'oublions pas qu'on met l'humain au cœur du projet.